Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle résidence à Arzon. Je suis Mélissa Bourget, la directrice de l'établissement. Je suis morbihanaise depuis un peu plus de 15 ans et je suis très heureuse de vous faire découvrir aujourd'hui notre résidence sur l'une des plus belles communes de la presqu'île de Ruys, puisqu'elle offre une ouverture sur l'une des plus belles baies du monde avec ses îles, ses sentiers côtiers et ses plages. Notre résidence est à 5 minutes à pied du bourg d'Arzon, proche de toutes les commodités, puisque vous allez pouvoir avoir accès à la pharmacie, à la boulangerie, à un boucher, et puis vous rendre tous les mardis matins, si vous le souhaitez, au marché pour pouvoir faire vos courses. La ville d'Arzon est aussi connue pour ses événements, tels que la semaine du golf. Nous avons le salon du Mille Sabords, et puis nous avons aussi une thalassothérapie, le Miramar, ainsi que le casino. Nous sommes aussi à 10 minutes à pied du port du Croesti pour pouvoir finalement flâner dans les rues, sur le port. Nous avons à disposition à partir de avril jusqu'à fin septembre une navette gratuite sur la commune d'Arzon. Et ensuite, on a une ligne de bus qui va pouvoir desservir toute la presqu'île de Ruys jusqu'à Vannes. L'objectif premier, c'est que justement le résident il soit au cœur de nos préoccupations. L'idée étant que nous puissions être attentifs et à l'écoute de ses besoins pour que justement il puisse profiter pleinement de sa vie en toute sécurité grâce à nos équipes qui sont présentes 24 heures sur 24. Nous avons un service d'accompagnement et d'aide à domicile qui est réellement intégré dans notre résidence avec nos propres équipes que nous formons et relié à ce qu'on appelle un dispositif d'appel d'urgence et qui sont là pour répondre à tous les besoins des actes de la vie quotidienne. Nous avons un service de blanchisserie. Nous avons aussi à disposition un salon de coiffure. Nous proposons aussi un accompagnement véhiculé avec un véhicule électrique. Si le résident souhaite aller se balader sur la presqu'île ou en centre-ville à Vannes, ou bien aller faire quelques courses ou se rendre à des rendez-vous médicaux, nous pouvons les accompagner avec la Zoé. Nous avons un service de restauration avec un cuisinier sur place qui est là du coup pour préparer des repas simples et conviviaux qui sont servis à l'assiette par nos propres auxiliaires de vie, soit le midi, soit le soir, soit midi et soir. L'objectif étant que chaque résident puisse se retrouver dans une vraie salle de restauration avec un service à l'assiette qui est assuré par nos auxiliaires de vie et pouvoir partager de bons moments conviviaux ensemble. Alors nous disposons d'une salle d'invités, c'est-à-dire que c'est une salle où on peut se retrouver en toute intimité. Et enfin, pour moi, le cœur de la résidence et le point névralgique, c'est notre salle d'animation, puisque nous avons la chance d'avoir soit un animateur ou une animatrice présente du lundi au vendredi, qui va être là pour rythmer et dynamiser la vie de notre résidence à travers un programme d'activités variées, qui soit tant à l'intérieur de la résidence qu'à l'extérieur, puisque nous ouvrons ces animations en fait, avec toute la richesse que nous propose la ville d'Arzon avec ses associations qui sont déjà très présentes et dynamiques. Et puis j'invite aussi tous nos résidents à pouvoir solliciter notre équipe qui est à l'accueil pour toute demande, question ou orientation, puisque nous sommes là aussi pour les accompagner dans leur démarche administrative. Il faut savoir que nous sommes en contact direct avec tous les acteurs du soin du territoire. Chaque résident est libre de ses allées et venues dans la résidence et dans son appartement avec ses proches, avec sa famille ou toute autre personne, même avec ses animaux de compagnie. Donc on a des appartements qui vont du T1 au T3. Tous ces appartements disposent soit d'une terrasse ou d'un balcon. Certains balcons où on voit le bout des mâts des bateaux du port du Croesti, justement, une très belle vue. Ces appartements sont entièrement meublés, c'est-à-dire que lorsque vous rentrez dans l'appartement, vous avez une cuisine équipée pour pouvoir garantir et maintenir aussi l'autonomie de nos résidents. Et cela donne accès directement à une salle d'eau avec une douche à l'italienne. Donc chaque résident a la possibilité de pouvoir mettre ses propres meubles dans l'appartement pour se sentir chez lui.
de pouvoir venir avec ces animaux. Ils sont libres d'accès, que ce soit du coup dans les espaces communs comme chez eux, et on les accepte volontiers. Ça remplit de joie, de partage et de caresses quotidiennement. J'appelle à tous les amoureux de la Grande Bleue à venir visiter notre belle résidence sur Arzon. Nous serons très heureux de pouvoir les accueillir. Et puis surtout, et aussi pouvoir leur proposer un séjour découverte avec tout le panel de services que nous pouvons proposer, puisque l'objectif c'est de pouvoir tout essayer et puis nous laisser l'opportunité de construire avec eux leur projet de vie de demain. Mon équipe et moi-même avons hâte de pouvoir vous accueillir dans notre nouvelle résidence Espace et Vie à Arzon. Bienvenue et à très bientôt.